Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble le déballage d'un casque un peu particulier. Un casque qui va vous permettre de libérer vos oreilles. Pourquoi donc libérer ses oreilles? Vous allez donc pouvoir avec ce casque circuler librement en ville tout en laissant vos oreilles à l'écoute des bruits environnementaux de la ville. Ce qui vous permet d'écouter de la musique, d'avoir une conversation téléphonique, un casque à conduction osseuse, et vous allez voir que il est très intéressant de par ses caractéristiques. On va tout de suite faire le déballage ensemble. Comme d'habitude, donc la boîte est sur le bureau. Je vous montre de près la photo du casque qui est présente sur la boîte. La boîte donc est de couleur blanc et on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc on prend le petit couteau et on va vérifier tout ce que possède la boîte. Alors on enlève le blister. Lorsqu'on a la boîte face à nous, on a le petit clapet aimanté sur le côté droit de la boîte. Voilà, une fois que ce clapet est ouvert, on va découvrir l'intégralité de la boîte. Je vous montre de près le casque. Voilà, donc le casque vient avec un petit emballage carré. Le casque est donc filaire. On a deux sortes de casques. Vous pouvez l'avoir en filaire ou en Bluetooth. Ici, le choix s'est positionné sur du filaire. Et à l'intérieur donc de la boîte, on va trouver une petite télécommande au casque qui va permettre de gérer le son et la prise jack qui va se connecter à votre tablette, votre smartphone ou tout autre appareil possédant un port jack. À l'intérieur, on trouve un petit sac de transport pour mettre votre casque à l'abri lorsque vous ne vous en servez pas. La notice, ici, qu'on ne lira pas. Le câble USB. Et une autre petite notice. Voilà tout ce qu'il y a dans cette boîte. On va donc passer maintenant à comment se servir du casque et voir comment le positionner et ce que peut nous apporter donc ce casque lors de la circulation en ville. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que pour l'instant ce déballage vous a plu. On va tout de suite passer à la démo du casque. Alors ce casque est le Sport Titanium. Il porte le nom de Titanium car le arceau qui va faire le tour de la tête est en titane, un métaux très léger. Avec ce casque, la possibilité de faire des conversations téléphoniques. Ce casque est donc stéréo, les petits écouteurs qui vont se positionner devant les oreilles et non pas sur les tympans, ce qui va vous permettre donc d'avoir l'écoute de tous les bruits qui vous entourent. Alors c'est un casque de technologie ostéophonie ou conduction osseuse. Ici, je vous montre de près, on appelle les petits écouteurs qui viennent se positionner sur l'os des transducteurs. Ces transducteurs émettent de petites vibrations de ce que vous écoutez et ces vibrations passent par l'os des pommettes de vos joues pour justement arriver à cochler l'os qui est donc l'oreille interne. Et grâce à ce procédé, vous allez entendre la musique, les applications GPS. Ce procédé évite de boucher vos tympans. Pour avoir un son de qualité, ce casque est donc équipé d'un mini amplificateur, ici que je vous montre en très gros sur l'image. Un petit bouton pour l'allumer. Donc cet amplificateur contient une batterie, d'où
le câble USB qui est livré avec. Tout au bout du câble, on a, comme vous pouvez voir ici, une possibilité de réglage de volume avec un petit micro, possibilité d'appui au niveau du centre de ces boutons pour décrocher ou raccrocher un appel. En toute sécurité, vous allez pouvoir circuler dans la rue, entendre tous les bruits environnementaux tout en écoutant votre musique. Donc circuler en toute liberté et en toute sécurité. Très important pour les personnes déficientes visuelles, pour qui serait dédié ce casque, pour des personnes ayant des difficultés auditives, pour des personnes malvoyantes qui utiliseraient des systèmes GPS pour circuler en ville ou à la campagne, et pour toute personne qui voudrait justement se sentir en sécurité tout en écoutant leur musique. Vos tympans ne sont pas sollicités, vous protégez vos tympans de toute nuisance sonore. Alors ce casque résiste donc à la poussière, à l'humidité, à la transpiration, car les composants ont eu un traitement nanotechnologique qui permet tout cela. Avec cette télécommande, vous allez pouvoir aussi changer les pistes des différentes musiques que vous écoutez. Son utilisation peut être pour les sportifs, faire de la randonnée, du vélo, de la marche à pied, de la course, pouvoir écouter justement tout en faisant cela votre GPS en action, tout en laissant vos oreilles libres. Au sujet de l'autonomie du boîtier, on a exactement 12 heures d'autonomie pour l'écoute de la musique et 12 heures de communication pour 2 heures de chargement. Ceci pour moins de 70 €, vous avez vraiment un très bon casque à conduction osseuse qui va vous rendre la vie plus pratique lors de vos déplacements à pied, en vélo ou en course. Au niveau de l'impédance, on est à 101 plus 3 décibels. Au niveau de la plage de fréquence, on est à 20 Hz. On est sur un poids de 42 grammes. Voilà ici comment est positionné le casque. Donc il est bien sur l'os de votre pommette, de chaque côté. Et c'est par ici que le son va donc passer. Comme vous voyez, l'oreille est complètement libre. Vous pouvez circuler sans aucun problème, entendre tous les bruits autour de vous en écoutant votre musique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai le lien de description de ce casque sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles technologies. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !